Le numéro 26 de Conflit est consacré au renseignement. Nous analysons son évolution au cours des dernières décennies, les liens entre le renseignement d'État et celui des entreprises, et la façon dont la France organise ses services de renseignement. Vous y trouverez un entretien avec le général Buquet, directeur de la DRSD, une analyse de la DGSE et de la réorganisation des services français, ainsi qu'une étude sur l'importance du renseignement économique. Nous traitons aussi de services étrangers, le Mossad, les services turcs et la coopération entre la France et le Portugal avec Alexandre de Maranche. Ce dossier vous permettra d'entrer dans les pouvoirs secrets du renseignement. Dans ce numéro, vous pourrez également retrouver un entretien exclusif avec Fabrice Balanche sur la situation en Syrie et des enquêtes sur les troubles en Amérique latine, notamment au Chili et en Bolivie. Un de nos envoyés spéciaux s'est rendu en Serbie et au Monténégro pour comprendre les causes des manifestations actuelles, et John Lockland livre son analyse sur les raisons profondes du Brexit et le futur du Royaume-Uni. Vous pourrez lire également une grande enquête sur l'évangélisme en France. Vous y retrouverez bien sûr vos rubriques habituelles, Vue sur la mer avec Pascal Gauchon, Art et géopolitique avec Aude de Kéros, Économie politique avec Victor Fouquet, et les chroniques de Frédéric Ponce et de Gérard Chalian. Dans la grande stratégie, Frédéric Lemoyle étudie la vision du monde de Mussolini, et Pierre Royer nous raconte la bataille de Rocroi. Quant à notre rubrique Géopolitique et entreprise, vous pourrez y retrouver une étude d'Uralex et du Rafale. Bien d'autres choses sont à lire et à découvrir dans ce nouveau numéro qui, nous l'espérons, vous permettra de comprendre le monde tel qu'il est.